Lorsque Cléo était petite, elle vivait dans un palais. Elle aimait peindre et dessiner, partir, oh non, jamais! Moi, Léo, j'étais capitaine, un artiste en voyage. Fresco était mon second, Oscar, mon équipage. Allez, oh oui, levons les ancres, quelle forme d'art feront les artistes? Moussaillons, ensemble nous verrons et voguerons avec les pirates. Conformia s'empara du trône, le royaume devint gris. Elle interdit plusieurs formes d'art, les couleurs furent bannies. Cléo ne pouvait vivre comme ça et quitta le château. Elle prit son grand livre sur les arts, puis se fit matelot. Allez, oh oui, levons les ancres, quelle forme d'art feront les artistes? Moussaillons, ensemble nous créerons et voguerons avec les pirates. Et voguerons avec les pirates. Totalement totem. Dépêchons-nous! France a hâte de nous montrer l'arbre du grand-père. Heureusement que nous avons cette carte, sinon on serait complètement perdus dans cette forêt de sapins. Quoi? On est perdus? Relax, amigo, tu n'as pas à t'inquiéter. À moins que la légende soit vraie. Quelle légende? La légende de l'arbre du grand-père. Elle raconte qu'il y a très longtemps, un vieil homme s'est perdu en marchant dans la forêt. Il décida alors de s'arrêter et d'attendre les secours, mais personne n'arriva. Et il se transforma en arbre du grand-père. Si ça arrive quand on est beau, j'ai plou, alors il faut avancer. Qu'est-ce que c'est? L'aigle du grand-père? Il a décidé d'attendre aussi. Détends-toi, Fresco. J'ai oublié de préciser que France adore sculpter le bois. Attendez-moi! Coucou, France. Oh, Cléo, tu es venue. Bienvenue sur l'île Douglas. Voici mes compagnons, Léo et Fresco. Bonjour. Ravi de vous rencontrer, France. Tous les plaisirs est pour moi. Et un peu pour vous aussi, non? Excusez-moi, France. Mais est-ce que c'est une lézard qui vous sculptez? Non, c'est une grenouille, Fresco. Ce totem raconte une histoire avec une grenouille, un grand corbeau et un ours. Je n'ai jamais entendu ces mots. Totem? C'est expliqué dans l'encyclopédie Artifactorium. Viens voir. Un totem est une image ou une sculpture qui peut représenter une famille, un regroupement de familles qu'on appelle un clan, ou des événements importants. Et parfois, nous sculptons des personnages issus de notre passé. C'est ce que tu fais en ce moment, non? C'est exact. Au lieu d'écrire les histoires comme tout le monde, nous avons trouvé un autre moyen de nous en souvenir et de les transmettre de génération en génération. J'adorerais apprendre à faire un totem. Il faudra que tu déménages ici alors. Les arbres sont très importants pour nous. Il faudra que tu apprennes toutes nos cérémonies et que tu sois formé par un maître de la sculpture qui t'apprendra à utiliser nos outils comme l'herminette, le marteau ou le ciseau. On ne sait pas par où commencer. C'est facile. Tout commence avec un arbre. Trouve d'abord un séquoia haut et droit. Fais bien attention quand il tombera. Enlève l'écorce et enlève les branches. Le tronc est lisse, ton projet avance. Trace tes modèles là où tu veux qu'ils soient. Et imagine de quel angle on les voit. Prends une herminette, une hache et un ciseau. Sculpte jusqu'à ce que tout soit beau. Les emblèmes de nos familles. Oh ouais! Nos histoires, nos légendes. On aime partager nos récits, notre passé, pour qu'on se souvienne. On sculpte des totems. Peins si tu le veux. Oui, elle est beau. Invite tous tes amis. Et puis on pousse. Oh, oui. Notre arbre a embelli. Les emblèmes de nos familles. Nos histoires, nos légendes. On aime partager nos récits, notre passé, pour qu'on se souvienne. On sculpte des totems, oh ouais. Pour qu'on se souvienne, on sculpte des totems. Il faut utiliser un arbre gigantesque pour faire un totem. En parlant d'arbre gigantesque, où est le célèbre arbre du grand-père? Suivez-moi, je vais vous le montrer. On y est.
Voici l'arbre du grand-père. Waouh! Il est fantastique! Il est immense! Attendez une minute, qu'est-ce que c'est? La reine Conformia va faire abattre l'arbre du grand-père? Quoi? Pour en faire des cure-dents pour sa boutique de soins dentaires? Pas question! Et, oh Dieu! Oh, il faut l'en empêcher! Cet arbre fait partie de notre histoire, c'est notre héritage! On va t'aider. Un super-héros se doit de sauver ces majestueux conifères. Les gens viennent du monde entier pour le voir. Je comprends pourquoi. Il est unique. Unique? Je suis la seule à être unique ici-bas. Et j'aurai bientôt les dents les plus propres du royaume. Amiral Cruchard! Mes hommages, votre majesté. Et comment se porte ma douce reine en cette journée ensoleillée? Je me porte très bien. Quoi? Vous n'avez pas besoin de moi? Vous ne comprenez rien, comme toujours. Êtes-vous près de l'île Douglas? J'y serai dans une heure environ. Bien, les pirates sont là-bas. Vous pourrez les capturer avant d'abattre l'arbre du grand-père. Avec le plus grand plaisir, votre majesté. Vous n'êtes pas le moins du monde effrayé par la légende? Quoi? J'aurais peur d'être transformé en arbre? Baliverne! J'aime cette attitude chez un homme. Et j'ai d'ailleurs quelque chose à vous dire avant de vous laisser y aller. Vraiment, ma douce? Oh, j'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Allez-y, je vous en prie. Ne soyez pas gênée. Je suis tout ouïe, votre majesté. Pas question d'échouer. Vous l'avez entendu, messieurs? Moteur à plein régime! Cap sur l'île Douglas! Tel que je connais la reine Conformia, l'amiral Cruchard ne va pas tarder à accoster. Il est peut-être plus proche qu'on les croit. Un corbeau! Allez, ouste! Va-t'en, corbeau des malheurs! Maintenant, la reine Conformia va savoir qu'on est sur l'île. Il nous faut un plan, et vite! Si la légende était vraie, l'amiral et ses hommes se transformeraient en arbres. Mais oui, bien sûr! Fresco, tu es un génie! C'est vrai! Mais pourquoi es-tu un génie? France, peux-tu sculpter rapidement? J'ai combien de temps? Ouais! Soyez très vigilants, messieurs! Les pirates vont sûrement nous jouer un tour! Faites demi-tour et rentrez chez vous! Vous ne connaissez pas la légende? Quoi? Que mes hommes et moi allons nous transformer en arbres? Ah! Pour qui vous me prenez? Pour le dernier des demeurés? Attrapez-la! Maintenant, pourriez-vous avoir la gentillesse de m'accompagner jusqu'aux pirates? Vous allez voir, messieurs, je vais capturer ces pirates en un rien de temps! Et ensuite, j'abattrai l'arbre du grand-père de mes mains! Vous êtes un homme courageux, amiral Cruchard. Peu de gens ont osé défier la légende. Baliverne! Un aigle en bois! Oh, comment est-il arrivé ici? Et pas de panique, messieurs! Cette légende n'est qu'un tissu de mensonges. Il faut attraper ces pirates le plus vite possible. Allons en route! Du nerf! Youhou! Buenos días, señores! Vous ne m'attraperez pas! C'est à notre tour de jouer! Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Fort heureusement, vous vous trompez! Mais cessons ces plaisanteries de mauvais goût! Où puis-je trouver les pirates? On est juste là! Attrapez-les! Oh. Vous ne vous échapperez pas cette fois! Attrapez-les! Ça y est, enfin je vous ai eu! Vous allez le regretter, amiral Cruchard. Vous vous souvenez de la légende? Baliverne! Vous deux, venez avec moi! Nous devons aller abattre l'arbre du grand-père! Et vous deux, escortez-les sur le SSOB et enfermez-les dans la cale! Je m'occuperai d'eux un peu plus tard. Je vous ai demandé de les escorter sur le navire! C'est un ordre! Eh bien, ne restez pas plantés là comme deux morceaux!
de bois. Oh, des soldats de bois. Des légendes, et donc vrai. Vite, sauf qui peut. Quittons cette île au plus vite. Alors ça, c'est ce que j'appelle une solution créative. J'adore quand ça s'est terminé bien. Alors, avez-vous vu des totems? Ça oui, on en a vu et on n'est pas prêt de l'oublier. Et toi non plus, Oscar. Moi? Mais je n'étais même pas avec vous. France, t'as sculpté quelque chose? Nom d'un fond de cale humide. Je peux vous dire que cette sculpture me sera très utile. Les emblèmes de nos familles, nos histoires, nos légendes. On aime partager nos récits, notre passé, pour qu'on se souvienne, on sculpte des totems. Oh! J'étais sûre de triompher, mais vous m'avez encore joué un tour. La prochaine fois, vous ne m'échapperez pas. Pour qu'on se souvienne, on sculpte des totems.